Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Warcraft Adventure. Aujourd'hui, on se retrouve alors que nous allons peut-être tenter de libérer la malédiction. Enfin, malédiction, c'est pas vraiment le bon terme. Nous allons tenter de percer à jour les secrets de Terok et de Hanzu, deux anciens chefs Arakoa, très prisés de leur peuple. On dit qu'ici, nous avons des serpents d'os. Croix pour Hanzu. C'est bien, tente-le. Ok, ça en fait une. Au nom de Terok, mon ami l'Arakoa, prête-moi ta plume pour te montrer de quoi je suis vraiment capable. Ça ferait une belle chanson, tiens. Bon. C'est bien parce que là c'est même pas moi qui prends, donc s'il y a des dégâts, c'est pas sur moi. Ou alors très peu quoi. Genre comme ici. Voilà. Alors, nid. Ah ouais, d'accord, ok. Je devais détruire les nids aussi. Avec la prise de la malédiction, Hanzu donnera à ses corbeaux de l'effroi d'éradiquer la progéniture de Seth. Ouais, je pensais que ça l'aurait touché aussi, tiens. Mais ça l'a pas touché. Plutôt décevant. Alors, nous devons aller rendre tout ça à l'hôtel des serfs. Voilà. Alors, je vois le destiné à revoir les offrandes au dieu corbeau. Tandis que vous placez les ailes dans le bol, vous entendez un bruissement de plumes dans les hauteurs. Est-ce que c'est le fait que ce soit le corbeau de l'effroi ici? Ah non.
Quand l'orbe entre en contact avec l'autel, les bougies proches s'allument d'elles-mêmes. Oh, Anzu. Vous tombez à point nommé mortel. Il faut arrêter les Setek. Garde serre, préparez l'autel sous la flèche brisée. Héros, rejoignez-nous ici lorsque vous aurez démantelé la secte. Alors, Ikis faisait partie des sages respectés par les autres adhérents, mais sa quête de vérité au sujet de la suite de Terok lui a valu d'être banni. La figure de Terok est devenue chez lui une véritable obsession, et il a fini par proclamer qu'il était la réincarnation de ce héros d'un autre âge. Il est désormais à la tête des Setek, auxquels il a promis les pouvoirs défiant l'imagination et l'avènement d'un nouvel âge des ténèbres. Mais ne vous y trompez pas, Ikis n'est pas le roi Ser. Tuez ce pauvre mythomane et pensez à fouiller sa dépouille. Il a pour habitude de collectionner les bijoux magiques puissants. Oh. Et Anzu. Les serviteurs du dieu mort. L'influence de Seth s'exerce par-delà la mort. C'est à elle que l'on doit la naissance du culte de Setek, une congrégation menée par un faux roi servant les intérêts du dieu mort. Réduisez ces prophètes au silence. L'avenir qu'ils nous réservent se résume à des mers d'un noir à cendres et une voûte céleste souillée à jamais. Triompher de leurs champions, de leurs élus, car en vérité, la cause qu'ils servent ne repose que sur une sinistre imposture. Je vois. Je n'ai pas réussi à dissiper cette malédiction. Je me suis résigné il y a bien longtemps de cela à me retirer dans les ombres pour y prendre du repos. Mais les Setek tentent de me faire revenir à l'aide de sombres rituels qui vont me soumettre lentement mais sûrement à la volonté de Seth. S'ils atteignent leurs objectifs, Seth me forcera à nimber la voûte céleste d'un voile ténébreux et le monde connaîtra un véritable bain de sang. Empêchez-les d'accomplir les rituels de façon à ce que je puisse faire mon grand retour sans avoir perdu de mon libre arbitre. Alors, ensemble, nous pourrons songer à couper court aux ambitions de Seth. Bon. Je me la suis jouée un petit peu Terminator, vous avez vu. Non, c'était une blague en fait. Alors. Bon, bah, on a du. Des élus à tuer. Hop. Trois sur six. Perfecto, prophète. Merde. J'ai chopé l'initié sans le vouloir. Encore un prophète et deux élus.
Ok, bon. Ça, c'est fait. Alors, on doit interrompre les rituels. Comment je fais? Ah d'accord, aussi bêtement que ça. Là, j'avais peut-être pas le choix de faire ça. Ce petit coffret m'intéresse, au plus haut point même. Ouais, il m'intéressait. En fait, je voulais le faire en mode invisible. Mais ça n'a pas marché des masses. Bon, bah tant pis. Je ne sais pas encore comment monter, mais je trouverai. Ok, das gut. Guten Tag. On est à Max. Pour Woman Max.
LOL. Voyageur, vous n'êtes pas à la pointe de la destinée qui vous est accordée. Avez-vous réduit le faux roi au silence? Un bracelet? Intéressant. Il ne paye vraiment pas de mine. Comment ça? Ça ne paye pas? Alors, Kurek examine soigneusement le bracelet, ne le faisant tourner lentement sur lui-même. Une inscription a été gravée sur sa face interne. Pour mon père. Puisse Rukmar illuminer ton chemin avec tout mon amour, l'éthique. Incroyable! C'est le bracelet de Terok! Un cadeau de sa fille qu'il a apporté pendant des années jusqu'au jour où. Enfin, nous ferions mieux de le rapporter où il se doit. Terok a fait bâtir un monument commémoratif en l'honneur de Lity, non loin du gué de la Serre. C'est là que le bracelet devrait se trouver. Ah, je sens leur emprise se dissiper. Merci, mortel. L'heure est venue d'en terminer avec Seth. Je l'ai déjà tué, et avec votre aide, je le referai. Préparez-vous au combat. Les spectateurs ne nous regarderont pas sagement anéantir leur dieu. Les armes et le fanatisme ne se rendent pas plus forts. What? Où qu'il est passé? Nine! Ouais. Eh ben, ça attendra. YOLO. Ouais. Ok, bah l'anima haineuse, elle va attendre, hein. En fait, j'en serais pas réellement débarrassé tant que je l'aurais pas vaincu, en fait. Ok. Bon. Alors, faisons la quête. J'aime bien prendre cette voie-là pour jouer Hanzo. Je suis prêt, Hanzo. Nous ne pouvons nous permettre d'échouer. Je vais vite régénérer, par contre. Me taper un petit peu de magie. On est au max. Ouh, Warren Max. Je vais me charger de cette. Occupez-vous des spectateurs.
Allez, 25%. Ah oui, d'accord, 7 tués. C'est fait. Rejoignez-moi au repos de l'ithique. Non. Allez, direction le repos de l'ithique. Eh ben, c'est pas là en fait. Ok, bon. Qui va là? Père? Est-ce toi? Vous n'êtes pas mon père, mais vous avez quelque chose qui lui appartenait. Alors, Seth est mort 2 fois, mais sa malédiction persiste. Nous ne la chasserons sans doute jamais complètement. Wouh! 598! Eh bien, eh bien, eh bien. Que de joie, que de joie, que de joie. Qui êtes-vous? Pourquoi troublez-vous mon sommeil? Ce bracelet, je l'ai fabriqué pour mon père il y a bien longtemps, avant la chute. Le bracelet de mon père est resté ici pendant une éternité, avant que cet imposteur d'Ikis ne le vole. Je vous remercie de l'avoir rapporté. Mais je n'en ai nul besoin de souvenirs. Prenez-le avec ma bénédiction. Il reste encore des prêtres de la serre loyaux envers le véritable roi serre. Vous serez aimable de le leur remettre. Ok. Eh bien, chers amis, prenez soin de vous, faites bien les geeks. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et quand vous prenez du plaisir, je prends du plaisir. Salut à tous!